Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième séance d'écologie. Cette fiche intitulée Exploitation des données recueillies lors de la sortie écologique. Donc, dans les objectifs, on va voir essayer d'exploiter les données recueillies lors de la sortie écologique et déduire la notion d'écosystème. C'est quoi un écosystème? Donc, après avoir réalisé la sortie, lors de la sortie, nous avons déterminé, si vous vous rappelez, ce qu'on appelle l'aire minimale. Et il est recommandé de faire plusieurs relevés. On va faire plusieurs relevés, plusieurs échantillons dans la surface de l'aire minimale. Lorsque toutes les espèces végétales sont déterminées et recensées, on va essayer de regrouper toutes ces données dans un tableau. C'est un tableau qui va donc contenir toutes les espèces recensées dans cette aire minimale. Et donc, ces données qu'on va analyser en faisant l'étude de certains paramètres statistiques. On va commencer par la répartition des végétaux. Le premier paramètre à étudier, ce qu'on appelle l'abondance, la dominance. Et c'est quoi donc l'abondance? L'abondance d'une espèce végétale, c'est ce qu'on appelle le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface, c'est-à-dire combien d'espèces de végétaux que nous avons déterminées par mètre carré, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abondance. Et la dominance, c'est le taux de recouvrement, c'est-à-dire la surface recouverte par l'ensemble des individus, c'est-à-dire quelle est la surface recouverte par les végétaux déterminés dans l'aire minimale. Donc, elle est estimée par la projection au sol de l'appareil végétatif aérien dans l'ensemble des individus de l'espèce. Pardon? Donc, il est pratiquement difficile de déterminer l'abondance. C'est pour cela qu'on utilise le coefficient abondance-dominance, ou bien ce qu'on appelle l'échelle de Brown-Blanquette. C'est quoi l'échelle de Brown-Blanquette? Regardez, on utilise le plus lorsqu'on a des espèces sont très rares, ou bien on utilise le 1 lorsque les espèces elles sont rares, en 2 lorsque les espèces elles sont répandues, mais 3 les espèces moyennement répandues, alors que 4 lorsqu'on a les espèces sont très répandues, 5 lorsqu'on a des espèces abondantes. Voilà, toute la partie elle est couverte de végétaux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'espèces abondantes. Voilà donc l'échelle de Brown-Blanquette, ou bien le coefficient d'indice d'abondance. Voilà, c'est plus 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, lorsqu'on a le coefficient plus, c'est-à-dire que le recouvrement il est très faible, l'espèce elle est très rare. Lorsqu'on a le coefficient 1, l'espèce est rare, donc il est inférieur à 5% le recouvrement. 2, le recouvrement il est entre 5 et 25%. 3, c'est-à-dire le recouvrement entre 25 et 50%. 4, il est très répandu, entre 50 à 75%. 5, le coefficient 5, il est très abondant, c'est-à-dire le recouvrement il est supérieur à 75%. Deuxième paramètre, c'est la fréquence. Donc, la fréquence, c'est quoi la fréquence? La fréquence, donc, elle reflète le degré d'adaptation des végétaux au milieu où ils poussent, c'est-à-dire il y a l'apparition de l'espèce dans l'aire minimale. On peut la calculer rapidement en utilisant la formule suivante. F, c'est la fréquence, est égale à N sur grand N fois 100, c'est-à-dire N, c'est le nombre de relevés renformant l'espèce étudiée. Et N, c'est le nombre de relevés réalisés. C'est-à-dire, par exemple, on a fait
10 relevés, c'est le grand N, c'est égal à 10. Mais par Mésidis, il y a uniquement 4 relevés dont on a rencontré l'espèce. Donc on va calculer la fréquence. N est égal à 4 sur 10 fois 100, c'est-à-dire 40%. Donc voilà comment on peut calculer la fréquence. Troisième paramètre, on a ce qu'on appelle l'indice de fréquence. L'indice de fréquence de Ritz a divisé les fréquences en 5 classes, chacune correspondant à un indice de fréquence et caractérise le type végétal. Voilà donc pour l'indice de fréquence, l'intervalle, c'est inférieur F. La fréquence est inférieure à 20%. L'indice de fréquence, c'est 1. Donc, on dit que le type d'espèce végétale, elle est accidentale. Donc, la présence de cette espèce dans l'aire minimale, elle est accidentale. Donc, l'indice de fréquence, c'est 1. Lorsqu'on a la fréquence inférieure à 20%, F est inférieur à 20%. L'indice de fréquence est égal à 1. Et l'espèce, le type d'espèce, elle est accidentale. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on a F, la fréquence, elle est entre 20 et 40%. À ce moment-là, donc l'indice de fréquence est égal à 2. Le type végétal de l'espèce, le type de l'espèce végétale, elle dit, il est accessoire. C'est-à-dire, il est secondaire, n'est pas principal. Lorsque l'indice de fréquence entre 40 et 60, F, il est entre 40 et 60, l'indice de fréquence, c'est 3, indique que le type de l'espèce végétale, il est assez fréquent. Lorsque F, la fréquence entre 60 et 80%, l'indice de fréquence est égal à 4, on dit que l'espèce est fréquente. Alors, lorsque l'indice de fréquence elle est entre 80 et 100%, c'est-à-dire F, c'est la fréquence qui est entre 80 et 100%, l'indice de fréquence c'est 5, on dit que l'espèce est très fréquente. Les espèces végétales dont l'indice de fréquence entre 5 et 4, entre 5 et 4, c'est-à-dire entre 60 et 100%, sont des végétaux indicateurs de milieu. On dit qu'ils sont des végétaux indicateurs de milieu lorsque l'indice de fréquence elle est 4 ou bien 5. Alors, les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3 sont des végétaux accompagnateurs. Donc on dit qu'ils sont accompagnateurs lorsque leur indice de fréquence est égal à 3. Donc ils reflètent le changement de l'évolution du milieu ou l'interférence entre deux milieux différents. Donc c'est une espèce accompagnatrice des espèces fréquentes dans l'aire minimale. Bien. Un autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Le polygone de fréquence, les résultats de l'étude peuvent être synthétisés sous forme d'un histogramme de fréquence dans lequel sont indiqués en abscisse les indices de fréquence et en ordonnée le nombre des espèces. C'est-à-dire lorsqu'on a un tableau où il y a l'indice de fréquence et le nombre des espèces. Donc, on peut tracer donc un histogramme dans l'axe des abscisses. Donc là, c'est l'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle l'indice. On met l'indice de fréquence. Et en ordonnée, là, on va mettre le nombre d'espèces. Donc, on va voir l'axe des ordonnées, c'est le nombre d'espèces. Et un axe des abscisses, c'est
l'indice de fréquence et on trace les histogrammes. Et à chaque fois, lorsqu'on trace à partir de l'histogramme, on trace la courbe de fréquence. On va voir l'exemple suivant. Là, on a l'axe des abscisses. On met les indices de fréquence. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà les indices. C'est les indices, on va les déterminer par la fréquence. Donc, c'est la fréquence inférieure à 20, la fréquence entre 20 et 40, etc. Nous avons déjà vu comment on peut déterminer les indices de fréquence. Là, l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, on va mettre le nombre d'espèces. Par exemple, pour l'indice de fréquence 1, on a deux espèces. L'indice de fréquence 2, on a 6 espèces. L'indice de fréquence 3, on a 4 espèces. L'indice de fréquence 4, on a 3 espèces. Et l'indice de fréquence 5, on a une espèce, une seule espèce. Ça, les histogrammes. En rouge, c'est les histogrammes, c'est ces rectangles-là qui représentent le nombre d'espèces par indice de fréquence. Et au centre de chaque histogramme, on met un point et on fait tracer donc ce qu'on appelle là la courbe de fréquence. Voilà donc ce qu'on appelle tout ça, on l'appelle le polygone de fréquence. Dans ce cas-là, le diagramme de fréquence ou bien le polygone, il est unimodal. Regardez, on a une seule courbure ici, ça. Donc on dit que il est unimodal, c'est au niveau de la fréquence, d'indice de fréquence 2. Donc le diagramme il est unimodal. Lorsque le diagramme il est unimodal, ça signifie que le groupement végétaux des relevés réalisés sont homogènes. C'est-à-dire que les groupements végétaux des relevés sont homogènes. Lorsqu'on a l'indice de fréquence, pardon, lorsqu'on a ici le diagramme de polygone de fréquence, il est unimodal. Un autre type de polygone de fréquence, là, c'est les indices de fréquence, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est le nombre d'espèces dans l'axe des ordonnées et on trace les histogrammes. Voilà, c'est des rectangles là, on met en vert et on fait tracer aussi la fréquence, donc la courbe de fréquence. Regardez là, on a une flexion à ce niveau-là, deuxième à ce niveau-là et la troisième. Donc, on peut dire que le diagramme des fréquences dans cet exemple, il est plurimodal, plus qu'un mode. Donc, n'est pas unimodal, il est plurimodal. Le polygone, il est plurimodal. Ça signifie que lorsque le polygone, il est plurimodal, il signifie que le groupement végétaux des relevés sont des relevés réalisés sont hétérogènes. Donc voilà donc l'information qu'on peut tirer à partir du polygone des fréquences. Est-ce que les groupements homogènes lorsqu'on a polygone unimodal, lorsqu'on a un polygone hétéromodal, plurimodal, on dit que les groupements végétaux sont hétérogènes. On va voir un exemple, exemple d'application. On va appliquer ce que nous avons vu, les paramètres, l'étude statistique de répartition des végétaux. Donc voilà un tableau qui regroupe toutes les espèces recueillies dans une aire minimale. Voilà le Quercus tuber, le Cestus arborus. Donc plusieurs espèces. On a recensé 20 espèces. Nous avons fait 1, 2, 3 jusqu'à 10 relevés. 10 fois, on a fait des relevés. Donc voilà. Ça, on va déterminer le nombre de relevés contenant l'espèce. Là, on va calculer la fréquence en pourcentage. Là, l'indice de fréquence. Donc, on va faire un exemple. Par exemple, là, c'est combien nous avons fait. Nombre de relevés, c'est 1. On a déterminé l'espèce dans tous les relevés avec l'indice 5. Donc voilà l'exemple de calcul. Exemple de calcul, on va
choisir le calcul de l'espèce suivante. Le nombre de relevés contenant l'espèce, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois, on a donc rencontré l'espèce de relevés. 1, 2, 3, donc je mets 5. Le nombre de relevés contenant l'espèce, 5. La fréquence, c'est n sur grand n fois 100. Petit n, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce, 5. Sur le nombre de relevés, nous avons fait des relevés, 10. Donc 5 sur 10 fois 100 est égal à 50. Donc voilà la fréquence en pourcentage, ça, 50%. Donc n, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Mais 5. 10, ça c'est le nombre de relevés réalisés lors de l'échantillonnage. On a réalisé des relevés, des fois, fois 100. Donc la fréquence ici c'est 50. Maintenant l'indice de fréquence. L'indice de fréquence, on va utiliser le tableau suivant. Voilà l'indice de fréquence. Regardez, la fréquence est égale à 50%. Donc elle est à ce niveau-là, entre 40 et 60%. Entre 40 et 60%. Donc l'indice de fréquence, la 50, est égal à 3. Donc l'espèce, elle est assez fréquente. Donc on va mettre ici grand 3. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de calcul de ces paramètres statistiques. Donc on va le calculer. Voilà un exemple. Donc vous pouvez remplir vous-même le tableau suivant en ajoutant le nombre de relevés par espèce, le pourcentage et l'indice de fréquence. Voilà. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et remplir le tableau. Très bien. Les résultats des calculs, donc on va trouver ici le nombre d'espèces, c'est 10. Là, c'est combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, si on a rencontré l'espèce 8 fois, là, le 5 et le plus et le 2, c'est les indices que nous avons utilisés. Est-ce que l'espèce elle est rare, elle est fréquente, elle est abondante, etc. Donc là, c'est 2 fois. 1, 2 fois. Là aussi, c'est 2 fois. Aussi, là, c'est combien de fois? Déjà calculé, c'est 5 fois. Regardez ici, on a détecté l'espèce Salvifolius 10 fois, etc. Donc là, on a 1, 2, 3, etc. Donc, si vous avez compris, on va continuer de remplir le tableau de la manière suivante. La fréquence, là c'est combien? On a détecté l'espèce 10 fois, donc petit n est égal à 10, et grand n, c'est le nombre de relevés, c'est 10, donc là c'est 100%. Donc l'indice c'est combien? L'indice de fréquence à partir du tableau, c'est, là c'est 5. Donc on va compléter d'abord les fréquences à la manière suivante. C'est facile, si vous avez compris l'exemple précédent, allez-y. Donc, c'est déjà fait l'exercice, vous pouvez voir les corrections. L'indice 5, 5, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3 et 2. Voilà l'indice de fréquence. Et nous avons maintenant le nombre d'espèces et nous avons les indices. On peut construire le tableau suivant. L'indice de fréquence de 1 jusqu'à 5, les indices de fréquence, c'est là, cette colonne, de 1 jusqu'à 5, et le nombre d'espèces pour chaque indice. On va faire le premier exemple. 1, c'est combien d'espèces?
On a deux espèces. Bon, un, deux, deux fois. L'espèce. Donc l'indice de fréquence 2. On va chercher. On a 1, 2 espèces, 3, 4, 5, 6. Donc je mets ici 6. Pour l'indice 3, regardez combien de fois on a l'indice 3. On a 1, deuxième fois, troisième, quatrième. Donc c'est 4. Donc pour l'indice, on a 4 espèces. Très bien. L'indice 4, allez-y. Cherchez le 4. 1, 2, 3. Donc 3 fois. 5, 1, 2, 3. C'est 3 fois. Voilà, nous avons construit ce tableau-là. L'indice de fréquence et le nombre d'espèces. Le nombre d'espèces, ce n'est pas le total, c'est combien de fois on a détecté cette espèce. Et à partir de ce tableau, on va construire quoi? On va construire le polygone de fréquence. Ce graphe de fréquence et le polygone. Regardez le tableau, notre tableau, qui contient l'indice de fréquence et le nombre d'espèces. Donc, je trace la courbe, l'axe des ordonnées, c'est le nombre des espèces. L'axe, voilà, jusqu'à 6, parce que on a le plus grand nombre, 6, 6. L'axe des abscisses, c'est les indices, de 1 jusqu'à 5. L'indice de fréquence, voilà, de 1 jusqu'à 5. On va tracer maintenant l'histogramme. Pour 1, on a deux espèces, donc à ce niveau-là. Voilà, on va tracer jusqu'à... Très bien. 3, 3 c'est combien? On a 6. Voilà, jusqu'à 6. 3, c'est 4. Très bien. 4, c'est 3. 5, c'est 3. Voilà, nous avons tracé les histogrammes. On doit essayer maintenant de lier, tracer la courbe de fréquence en passant par le centre de chaque donc histogramme. Voilà le polygone de fréquence. Voilà les points. Et on va les relier par ce trait-là. Donc ça, c'est la courbe de fréquence. Et vous regardez combien. C'est une courbe de fréquence. Elle est unimodale. Unimodale, donc ça indique que la végétation dans cette station de la forêt de Mamoura, elle est homogène parce que nous avons fait des relevés dans la forêt de Mamoura. Elle est homogène. Donc l'espèce caractéristique du milieu, c'est le Quercus suber et le Cestus salviofolius. Ce sont les espèces caractéristiques de ce milieu plus abondant. Et voilà. Maintenant, comment réaliser un herbier? Un herbier donc permet de conserver et de classer les végétaux que l'on a récoltés. Donc, grâce à cet herbier, on peut retrouver à tout moment l'aspect et les principaux caractéristiques de et le nom de végétal. Chaque fois, donc, si on a conservé l'espèce. Donc, à chaque moment, on revient vers notre herbier, on va trouver l'espèce avec l'aspect original et toutes les caractéristiques de cette espèce. Ça, c'est l'intérêt de l'herbier. Donc, les étapes, on va faire sécher les échantillons bien étalés sur un papier. Vous déposez votre un papier ou bien un journal. Vous déposez votre espèce, la feuille par exemple d'un arbre, et vous mettez de gros livres, dictionnaires, etc. Un poids horizontal au-dessus pour bien les aplatir. Après, il faut changer du papier, du journal, régulièrement pour éviter que l'espèce se pourrit. Donc, éviter la pourriture de l'espèce. Donc, à chaque fois, on change de journal pour éliminer l'excès de l'eau.
Et donc, il faut prévoir pour cette étape à peu près au moins une semaine. Donc, après les échantillons séchés, on va les fixer au centre d'une feuille. Voilà une espèce. On va les fixer au centre d'une feuille blanche. Une seule espèce. On va mettre une seule espèce. Et on va laisser la place dans la feuille pour ajouter une étiquette. La justification de la détermination de l'espèce, on va utiliser du ruban adhésif pour fixer l'espèce sur le papier. Et donc là, ajouter l'étiquette, on va mettre le nom de la plante ou bien l'arbre dont elle a issu une feuille, le lieu de récolte et aussi la date de récolte. Voilà, donc pour les... Pour la conservation des animaux, donc nous avons besoin... Soit on va les collecter et les sécher dans l'air, donc déshydratation, et on les fixe sur un tableau. Soit on va les conserver dans l'alcool, voilà. Soit on utilise ce qu'on appelle la taxidermie. La taxidermie, c'est-à-dire on va utiliser des vers matériaux pour donner la forme à l'animal, le plus souvent. Dans une posture qui rappelle l'animal en action. Donc, comme celui-là, donc on va utiliser des matériaux pour reconstruire la forme de l'animal, ce qu'on appelle la taxidermie. Il y a autre technique plus évoluée, c'est ce qu'on appelle la lyophilisation. Lyophilisation, voilà des espèces lyophilisées. Tout ça, ce sont des espèces qui sont séchées par lyophilisateur. On met les espèces donc consistent à retirer de l'eau contenue dans l'objet, dans l'espèce, des organismes congelés grâce à un équipement spécialisé. C'est-à-dire on fait congeler les espèces d'abord, on les met dans un frigo congelé et après on les met dans le lyophilisateur pour éliminer l'eau qui passe de l'état glace à l'état gazeux, ce qu'on appelle la sublimation. Et donc on va éliminer l'eau. Et l'espèce, elle garde la forme et elle garde aussi la couleur. Là, c'est des techniques pour les plus évoluées pour donc conserver les espèces. Bien. Enfin, on arrive à la notion de l'écosystème. Un écosystème, donc, il est formé de deux éléments principaux. Il est formé de la biocénose, c'est les espèces vivantes. Les insectes, les arbres, les animaux, et tout ça, les bactéries, les champignons, c'est la partie vivante, ce qu'on appelle la biocénose, et est formée d'une seule partie, une autre composante, c'est la composante non vivante, ou ce qu'on appelle donc le biotope, c'est-à-dire biotique qui abiotique. Biotique, c'est la biocénose, c'est les espèces vivantes, et la partie non vivante, c'est le biotope qui est formé par le sol, l'eau, les roches, l'air. Tous les éléments non vivants. Donc l'écosystème en général est égal à la biocénose plus la biotope, c'est-à-dire il est formé de deux parties, c'est la partie vivante, là isolée ici, et la partie non vivante. Définition d'une espèce, d'un écosystème, pardon. Un écosystème, il regroupe de nombreuses populations d'espèces animales ou végétales, partageant des ressources d'un même milieu. Voilà la définition d'un écosystème. Dans ce milieu de vie, on distingue l'ensemble des êtres vivants. On trouve les végétaux, les animaux, qui constituent ce qu'on appelle la biocénose de l'environnement et de l'environnement géologique. C'est la nature du sol, le climat, l'eau, etc., qui constitue le biotope. Et donc, l'association de la biocénose et du biotope constitue un écosystème. Une définition bref, écosystème est égal biotope plus biocénose. Dans l'écosystème, les organismes vivent avec des interactions. Donc, ils vivants interagissent entre eux et ils interagissent aussi avec le milieu dans lequel ils vivent. Et donc, les dimensions des écosystèmes peuvent varier considérablement. Elles peuvent être allées de petits, comme une mare, un arbre, des feuilles, donc, et peut-être gigantesques comme la Terre. Donc, il y a des micro-écosystèmes, des méga, des giga-écosystèmes. Donc, écosystème est égal à biocénose plus...